Bonjour. C'est moi, Titi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, William, et bienvenue. Bonjour, merci. Tu viens de signer à l'Olympique de Marseille, que ressens-tu ? Je suis très fier de rejoindre l'un des meilleurs clubs français et je suis impatient de fouler la pelouse de l'Orange Vélodrome. À qui vont tes premières pensées dans un tel moment, dans une carrière ? Bah, ma pensée elle vient à ma famille, ma mère, mes proches. Même là d'où je viens, même à Paris, dans la région parisienne, beaucoup de mes proches sont pour Marseille. Donc c'est une fierté de porter ce maillot. Que représente l'Olympique de Marseille pour toi ? Ah, ça représente beaucoup parce que c'est un club qui est très 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 gros où on est obligé de mouiller le maillot. Et voilà, ça représente beaucoup et c'est une fierté d'être ici. Alors, tu connais des joueurs de l'Olympique de Marseille, notamment Matteo Guendouzi, que tu as côtoyé en équipe de France Espoir. C'est un plus pour toi pour accélérer, faciliter ton intégration dans le club ? Moi, je connais bien sûr Matteo, je connais Bouba. Après, je les connais tous, mais ceux à qui je suis proche, c'est Bouba et Matteo. Et ouais, c'est sûr que je suis impatient de retrouver mes nouveaux coéquipiers pour travailler ensemble. As-tu parlé avec Jorge Sampaoli ? Qu'est-ce que vous êtes dit ? Oui, bien sûr, on a parlé. Il me voulait dans son équipe et il a dit que même si j'étais un bon joueur pour l'instant, j'avais beaucoup de choses à améliorer et qu'avec lui, j'aurais ses axes de progression. Quels sont tes objectifs personnels pour cette saison à l'Olympique de Marseille ? Mes objectifs cette année, c'est de gagner le plus de matchs possible, que ce soit en Coupe de France ou en championnat. Et faire une très bonne saison, voilà. La philosophie de jeu développée par Jorge Sampaoli, est-ce qu'elle te plaît ? J'imagine que tu as dû voir déjà des matchs de l'Olympique de Marseille depuis que le technicien est arrivé à l'OM. Oui, c'est clair que ça me plaît. Je suis pressé de faire la tactique pour apprendre cette nouvelle philosophie. Je peux jouer à 4, à gauche, comme à droite, et voilà, c'est... Tant que l'équipe est bien, moi je suis prêt à jouer partout. Il y a une donnée aussi dans l'effectif actuel, il y a beaucoup de défenseurs centraux. Et la concurrence sera rude, tu es prêt à affronter ça ? Ah, bien sûr, quand il y a de la concurrence, ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà, ce serait une très bonne concurrence à moi et à mes coéquipiers de donner le meilleur. Alors tu l'as déjà évoqué, mais on va parler de l'Orange Vélodrome que tu as déjà vu, mais sous d'autres maillots. Est-ce que tu es impatient de découvrir avec du public ? Oui. Et avec le maillot de l'OM sur le dos ? Oui, c'est clair, je suis venu à 17 ans ici avec Saint-Etienne et ça me faisait peur parce que c'était ma première année en pro et j'étais remplaçant et franchement, j'avais vraiment pas envie de rentrer. Donc ouais, là, c'est bon, j'ai pris de l'expérience et bon, là, je porte le maillot donc ce sera plus facile et plus cool de jouer à l'Orange Vélodrome. Pour conclure, est-ce que tu as un message à faire passer aux supporters de l'Olympique de Marseille ? Bah, je suis très fier. Bah, déjà, on m'a beaucoup envoyé des messages sur Instagram, etc. Ça me fait très plaisir et je suis très impatient de vous rendre l'appareil en mouillant le maillot et en me donnant un 100% sur le terrain. Merci, William. De rien. Et encore bienvenue. Merci beaucoup. Pour t'abonner à la chaîne, clique ici et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. C'est bon ? Allez, go !